Ça fait 1 ou 2 ans qu'on y pense parce que je prends ma retraite. Il se trouve que j'ai une clientèle qui, la domiciliation, les clients ont leur siège social, donc les clients veulent rester, donc il faut pérenniser ce service aux clients. Et donc on vend en quelque sorte, pas l'entreprise, mais on vend la clientèle, enfin on vend le fonds de commerce, mais on garde la coquille vide. Parce que voilà, ils ne nous rachètent pas les murs, par exemple. On le sait depuis toujours que quand on partirait à la retraite, il faut trouver un repreneur parce que les clients sont là, il faut continuer à s'en occuper et les clients restent. L'année dernière, on a assisté au salon transfert. Déjà, on s'est fait un petit peu une idée de la fiscalité, du prix d'une entreprise. Et cette année, on est revenu, on avait vraiment des points précis seulement à regarder. C'est difficile de trouver un repreneur? Alors nous, il y a quelqu'un dans la profession, quelqu'un d'important qui rachète les centres et qui nous a fait une proposition. Donc c'est un petit peu facile pour nous. C'est plutôt les gens de la profession qui rachètent parce que s'ils ont déjà d'autres structures, ils vont mutualiser les coûts, ils vont avoir des secrétaires volantes, et donc c'est beaucoup plus facile pour eux que quelqu'un qui arriverait dans la profession. Par exemple, on a déjà approché d'autres repreneurs qui ne connaissaient pas la profession, donc pour eux c'est compliqué, ils ont un petit peu peur, ils ne savent pas où ils mettent les pieds, ils ne savent pas combien ça coûte, etc. Alors que quelqu'un qui est du métier, il apprécie tout de suite le prix en fonction de quelques critères, le nombre de clients, la fidélisation des clients, etc. Et bon, il a vite fait de calculer le résultat d'exploitation et de fixer le prix, quoi. Au niveau de la négociation, c'est plus simple. Et puis, par exemple, là, on a un autre repreneur qui s'est positionné, mais qui est en province. On travaillait avec lui, c'était un partenaire, mais lui, on s'inquiète de savoir si la secrétaire vient pas, bon, comment il va ouvrir, par exemple. Alors que celui qui va nous racheter, bon, il a plusieurs centres, il a une secrétaire volante. S'il y en a un qui vient pas un jour ouvrir, il envoie sa secrétaire. Qu'est-ce que ça veut dire pour une entreprise comme vous? Là, vous me disiez que vous étiez 3. Qu'est-ce que ça change pour vous de vous dire, bah, finalement, ça part dans une entreprise plus Bah, grande, en la fait, secrétaire? ça me gêne un petit peu. Cette société veut me racheter depuis des années et elle rachète la profession pour avoir une position un peu de monopole, pour éliminer la concurrence. Donc, d'un point de vue idéologique, ça m'embêtait de traiter de cette façon. Mais en me rapprochant d'autres repreneurs, je me suis aperçue que c'était compliqué parce que quand ils ne connaissent pas vraiment. Ils nous demandent beaucoup de papiers, puis ça dure, et ils ne nous en donnent pas forcément le même prix. Et puis bon, c'est parce que j'ai l'âge de la retraite, j'ai fait valoir mes droits à la retraite, donc j'ai pas voulu faire traîner. Mais pendant un certain temps, j'ai refusé intellectuellement l'idée de vendre justement de cette façon. Voilà. Dans l'idéal, par exemple, vous auriez voulu transmettre à qui? Comme nous, on a une clientèle un petit peu captive, donc les repreneurs sont venus vers nous. On n'a pas eu à aller à la chambre de commerce. Bon, ça se vend, je pense, ça peut se vendre. Donc j'aurais préféré vendre. Ben là, par exemple, je suis en contact avec un partenaire à nous qui est en province et qui fait du scan de courrier. Bon, ça m'aurait plu de m'entendre avec ce partenaire, mais bon, j'ai rendez-vous vendredi avec eux. Mais je m'interroge sur la faisabilité quand même, parce que je me soucie quand même de l'avenir de mes clients. Ça fait 30 ou 40 ans que j'ai créé cette société. Bon, je veux le meilleur pour mes clients. Je veux quelqu'un qui est capable d'ouvrir tous les matins. Et là, je sais que cette boîte, qui est importante, est structurée pour. Quand on a créé une entreprise, qu'on a servi ses clients, on y laisse un petit peu une partie de notre âme et on est attaché. C'est vrai qu'on est attaché quand on dit que l'entreprise, c'est un peu son bébé. C'est vrai, c'est vrai.